Donc, je m'appelle Marie-Neige Mamouassi, j'ai 23 ans et je viens de la filière TP Promo 2021. J'ai fait un bac S, spécialisation SI, donc sciences de l'ingénieur, et ensuite je suis allée en prépa, donc dans un lycée à Vanves, en région parisienne. J'ai fait une prépa PCSI et PSI en spécialisation. Alors, pour le choix de l'école, j'ai longtemps hésité entre une école publique et une école privée. Mon choix s'est vite porté sur le STP via sa grande renommée, son large choix de vie associative et ses grandes opportunités professionnelles pendant les études et après. Au niveau de la vie étudiante plus particulier, j'ai été Z de classe, donc c'est une déléguée de promotion. C'était quelque chose de très enrichissant qui m'a beaucoup appris à m'organiser pendant mes cours parce qu'on gère une promo de 250 élèves. Pour moi, le BTP, c'était une passion depuis toujours. Je ne me suis jamais posé la question de ce que je pourrais faire d'autre. Et en entrant à l'ESTP, j'ai du coup, via la vie associative, rejoint l'association Genus STP qui est portée sur l'entrepreneuriat étudiant, qui accompagne les étudiants à entreprendre. Et du coup, ça m'a ajouté une nouvelle sensibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis que je peux entreprendre, créer ma boîte quand je veux, ce qui fait que cette année, j'ai décidé, suite à mes études à l'ESTP, pendant un an d'être présidente de la Fédération nationale Genus Global, qui justement regroupe toutes les fédérations présentes dans plusieurs écoles d'ingénieurs et de commerce en France. Et ça me donne des capacités et des compétences beaucoup plus intéressantes, dans le sens où ça va être du management d'équipe, de l'organisation de projets et de la préparation à l'événementiel. Donc c'est très complet. Donc, suite à la fin de mes études à l'ESTP, j'ai rejoint, comme je vous l'ai dit, la présidence de Genus Global, donc cette fédération qui me permet d'avoir des nouvelles compétences. Mais je souhaite, à la fin de mon mandat, retourner dans le monde du BTP parce que ça reste une passion pour moi. Je veux mettre à contribution tout ce que j'ai appris au sein de l'ESTP, mais je ne me ferme pas la porte à plus tard créer mon entreprise une fois que j'aurai acquis de nouvelles expériences au sein du BTP.